Cœur brisé, 206, 25e. But I love her. I know. I know what it is to love. You? I know you think I'm only a baby, but I watched every move you make, the way you walk. But I'm only a baby. Baby? Foulos! Je ne tourne plus! What? Trouvez une autre innocente pour lire ce texte imbécile! La bêtise a des limites et ma patience également. Oh, mais Mélissa, Mélissa. Alors, bonjour la grande scène du deux. Oh, voyons, que se passe-t-il, ma beauté? Dites-le à votre petit impresario, ma poupée jolie. Votre poupée jolie, voulez-vous savoir ce qu'elle vous dit? Oh, non. Bon. Oui, à la vérité, ce n'est pas la médiocrité de votre film qui vous met dans cet état. Vraiment? Vous avez dû apprendre comme moi que votre mari est à Paris. Je me fiche de mon mari, comme le premier se tient-gorge. Oui, on dit ça. Non, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais je suis terrifiée à l'idée qu'il pourrait retrouver Johnny. C'est impossible! Il est aussi en sûreté au Vésinec que s'il était au palais de l'Élysée! Mais je vous le jure, mon petit pigeon! Allez, maintenant, venez! Le film est presque terminé, vous n'avez plus que quelques scènes! Vous êtes sûr qu'il ne risque rien? Oh, rien! Alors, si vous ne me croyez pas, téléphonez à la nourrice! C'est ce que je vais faire! Ah, et puis vous remettrez vite votre costume! Moi, je vais prévenir le plateau que la tornade est passée! Ah. Allô? Allô, mademoiselle? Ah, mademoiselle, donnez-moi le 123 au Vésinec, s'il vous plaît! Ah, les enfants! Les enfants en place! En place! J'ai tout arrangé! Elle reprend la scène, elle va revenir! Allez, allez, demandez les lumières! Là. Oh, mon Dieu, c'est parti, c'est venu! Oui, madame, il est venu. Et devant ces masses, j'ai dû céder. Oui. Mélissa! Mais où est votre costume? Mélissa, où allez-vous? Oh, c'est incroyable! Mélissa! Mélissa! Écoutez-moi donc! Écoutez-moi! Vous interdit de me parler, espèce de crétin! Ah, Mélissa? Aussi en sûreté qu'au palais de l'Élysée, avez-vous dit? Eh bien, je vous conseille de télégraphier au président qu'il déménage immédiatement. Pourquoi? Il est arrivé un ennui à Johnny? Un tout petit ennui, en effet. Il a été kidnappé. Kidnappé, mais par qui? Par mon mari, la nourrice a tout avoué. Alors, je suis navré, Mélissa. Pourquoi? Pourquoi vous ai-je écouté? Sale petit escroc sans cœur. Doucement, ma tourterelle, doucement. D'abord, je ne suis pas un sale petit escroc sans cœur. Je suis votre impresario. Et n'oubliez pas que vous me devez tout, hein. C'est moi qui vous ai fabriqué. Seul. Moi seul. Mais c'est vous aussi qui avez ruiné mon bonheur. Mais votre bonheur, vous ne parlez que de votre bonheur. Moi, je pense à votre avenir. Songez que des millions de jeunes gens vous adorent. Parce que vous symbolisez à leurs yeux l'innocence et la pureté. Que diraient-ils s'ils apprenaient que vous êtes marié, que vous avez 24 ans et que vous avez un gosse de 22 livres et demi? Je m'en moque, je veux mon enfant. Et moi, je veux que vous terminiez ce film. Sans moi, je vous fous un procès et je brise votre carrière. Au cœur de ma carrière. Oui. Mélissa, où allez-vous? À Monte-Carlo. À Monte-Carlo? Mais pourquoi à Monte-Carlo? Parce que Rudy est à Monte-Carlo. Vous l'avez dit? Vous expliquerez plus tard. Bon, ben alors poussez-vous, vous êtes trop nerveuse pour conduire. Ça dépêche moi. Oh, alors après ça. Nos tendresses renaissent toujours comme l'aurore. Venu tout seul? Ah, non, bien sûr. Thomas, ce que je peux vous assurer, c'est que votre femme n'est pas à Monte-Carlo. Vous êtes sûr? Certain. Tenez, la voilà. Dorénavant, je me passerai de vos services. Non, mais j'ai... Rudy! Where's Johnny? I'll have you arrested. Kidnapper? Give me back my baby! Not over my dead body! Non, Mélissa! Alors, je vous en prie, monsieur. Mélissa! Of all the scurvy tricks, you paranoid piano player, you... Me, paranoid! Non, mais comment ça, monsieur?
They haven't built mental institutions yet for your brand of man. That's my aging. C'est Melissa Farrell, la vedette de cinéma là. Very funny, ha ha. Autograph, please. One more word out of you, you swindling sonata salesman, and I'll tell your public what it's like to be married to a man who practices Beethoven all night long. Sweetheart. Shall I write something personal? Oh, yes. What about your friend La Rose's face? Oh, save me the last waltz. All right. Thank you. Swindler. Fraud. Qu'est-ce que c'est? C'est Mélissa Farrell et Rudy Walters qui distribuent des autographes. Ah, bien mon petit, on va leur en demander à nous aussi, hein? Tenez la clé. Là, merci monsieur. Allez, viens vous. Ne poussez pas. Oh, pardon. Tout le monde en a. Pardon. Ne poussez pas. Pour mon petit Nicolas quand il aura 20 ans. Get out of my way, will you? I want to leave. Go get it. Oui, j'arrive, chef. Mélissa. Mélissa, sois heureuse. Jamais plus, vous ne pourrez me faire aucun reproche. Pourquoi? Vous allez vous ouvrir la gorge? Seigneur, vous l'entendez. Pour me transpercer de ses flèches, elle choisit le moment où je vais lui ramener son enfant. Mon enfant? Oui. Vous allez les reprendre à Rudy? Mais où? Quand? Dans quelques heures, il sera à nouveau dans vos bras. William, vous êtes un amour. Oui, mais il faut me jurer que vous terminerez le film sans histoire, hein? C'est juré. Je ne pourrai jamais assez m'inquiéter envers vous. Moi aussi. À propos, le type que j'ai soudoyé demande assez cher. Combien? 1 500 000. Quoi? Enfin, vous n'auriez pas voulu que je marchande quand il s'agit de la vie de votre enfant. Poulos, vous allez un peu fort. Un peu, j'exagère. Vous le connaissez, Mélissa, c'est mon côté méridional. Quand il s'agit de chiffres, j'ai un peu d'accent. Alors combien? 1 250 000. Ah ah. Dis, mon amour, es-tu belge ou breton, roumain, danois, letton, hongrois ou monégasque? Parle, mon amour, car de toute façon, c'est toi qui as toujours raison. Neither did you. So I'm an aging angel, am I? Not any longer. Not to this swindling sonata salesman. Oh, darling. Johnny! Let's not lose him again! Petite chose ensemble. Le plus sage, je gage, c'est toi qui se ressemble. Ça...